Allez, c'est parti. Alors, donc moi je suis Sloane, hein, Impérial. Donc j'ai choisi, on était à égalité, on a fait le tirage au sort, c'est moi qui ai pu choisir. J'ai choisi le premier joueur tout simplement parce qu'il a plus d'activation que moi et que je voulais pas qu'il fasse un last first. Et au niveau des objectifs, donc j'ai choisi Rift en bouche. J'avais le choix entre Most Wanted, donc j'avais pas très envie parce qu'il allait choisir mon ISD et moi j'aurais un Ghost Anti Bright Hope probablement qui n'allait pas me rapporter de points. En bleu, il avait Infested Field qui est un scénario qui m'a déjà traumatisé dans le passé. Et là, j'ai plein d'escadrons, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Donc j'ai choisi un peu par défaut Rift en bouche, qui est un scénario que je connais pas du tout parce que je l'ai jamais joué. Et vous allez voir, ça va vachement impacter sur la partie en fait, parce que je comprends pas très bien comment ça marche. Voilà, donc là on se déploie. Bon, on commence par du classique, hein, un petit Ghost Anti, des chasseurs. Lui, il fait à peu près la même chose en face. Un MC, un GR75 et puis il place des chasseurs. Je me suis mis à peu près au milieu. Alors mon idée c'est de me déployer plutôt sur la gauche parce que vous voyez il a mis sur un astéroïde un peu trop vers le centre je pense. Alors qu'à droite c'est un peu plus bloqué hein, sur la droite du trou noir là. Donc mon idée c'est plutôt de faire ça, donc voilà, je place mes trucs les moins importants d'abord évidemment. Alors c'est lui qui aura le dernier déploiement. Alors, je chipote un peu sur mes escadrons. En fait mon idée de base c'est de mettre le raider à droite du Ghost Anti violet et puis l'ISD encore à droite je dis raider mais c'est le quasar. Voilà. Alors lui il se déplace, on voit qu'il connaît très bien son objectif, qu'il a déjà dû le jouer avec cette liste, parce que vous voyez son déploiement, il se déploie très très bien, tout est bien calculé. On a l'impression que les deux GR75 vont se foncer dedans, mais vous allez voir qu'il navigue très très bien. Alors là ça commence à devenir intéressant, donc moi j'ai mis mon quasar, il réfléchit un peu pour sa frégate MK2, il décide de la mettre au centre. Alors là, c'est là que je comprends pas trop l'objectif, c'est que je me dis, ah bah, il va aller s'engluer sur le trou noir, alors qu'en fait, pas du tout, ça va lui servir de sorte de trampoline, et ça va le faire avancer plus vite, vous allez voir ça tout à l'heure. Du coup, j'hésite un peu, est-ce que je mets le quasar, est-ce que je mets l'ISD à droite du quasar, ou est-ce que je le mets un peu plus au centre, mais j'ai peur que ça l'éloigne un peu trop des chasseurs, sachant que le quasar n'a pas boosté de com. Je me dis que ça va peut-être étendre un peu trop ma ligne, je préfère rester groupé. Alors, vous verrez que je regarde souvent l'objectif parce qu'en fait je ne connais pas du tout, ce qui est quand même un problème. Voilà, j'hésite un peu et puis finalement je me dis je vais le mettre là, on va faire la technique 7e compagnie, rester groupir. Alors, il faut que je fasse attention à mon déploiement parce qu'il va me faire avancer un vaisseau de 1 à la fin du déploiement. J'ai eu une petite frayeur, j'ai cru que le Marek Steel allait bloquer le déploiement de l'ISD. Bon, finalement, ça passe, c'est un peu juste, mais ça passe. Ça va être à lui de placer sa MC30 et il la déploie. Il réfléchit pas mal et il va la déployer finalement par ici, juste en face de moi. Donc, je me dis que ça peut être pas mal. Je me dis que la frégate peut-être va être un peu hors jeu parce qu'elle va être un peu éloignée. Alors, je revérifie l'objectif. Bon, j'intègre, en fait, je le relis à chaque fois, mais j'intègre pas trop en fait la différence. Voilà, il m'a fait avancer 2-1 l'ISD. Hop, et puis on commence à jouer. Voilà, on va commencer. On fait les dials. Donc mon objectif, en fait, j'ai pas trop de plans d'ensemble, et ça va me coûter cher. Je me dis, voilà, je vais voir ce qu'il fait, puis je vais m'adapter. Je sais pas trop. Alors il va choisir de mettre mon ISD à vitesse 3. Donc je me dis, il veut que j'aille vite, donc je vais aller doucement. Hein, j'essaye un peu de contrecarrer ce qu'il a envie. Voilà, on commence à bouger les transports, les flottilles. Voilà, donc moi j'avance assez prudemment, vitesse 1. Le quasar va avancer un peu plus vite tout à l'heure à 2.
Et là, on voit qu'il connaît très bien sa liste, il connaît très bien l'objectif, il se déploie très bien et il navigue très bien puisqu'il ne rentrera jamais dans, il fera jamais de collision entre ses vaisseaux. Je vais me décaler un petit peu avec le quasar pour laisser un peu d'espace à l'ISD. Il va bouger très très vite ses vaisseaux et il fonce vers le trou noir. Alors, je ne comprends pas très très bien pourquoi, mais mince, il va aller s'engluer là-bas, c'est bizarre. Et on va voir qu'en fait, c'est pas du tout ça. Dans mon ISD, comme il me fait avancer à 3, voilà, j'hésite un petit peu, parce que c'est pas mal, c'est un ISD 1 des noirs, donc ça peut être pas mal d'aller vite. Mais en même temps, je ne veux pas trop tomber dans son piège, donc je vais réduire ma vitesse. Bon, je vais quand même être à portée un petit peu de sa MK2, je crois, de mémoire. Vous allez voir ça au tour 2. Et il lui reste à bouger sa MC30 qu'il avance assez vite aussi. Donc on se retrouve à portée des rouges. Bon, lui, ça l'embête pas trop parce qu'il a plein d'éveils, hein, donc c'est pas trop trop embêtant, sachant qu'à longue portée, je tire pas énormément de dés rouges, hein, avec l'ISD1. Il a un déploiement en plus, hein, donc il va finir avec deux de ses vaisseaux. Donc, moi, mon idée, c'est essayer de lui détruire un vaisseau assez vite pour qu'on se retrouve à égalité en termes de mouvement de vaisseau. Voilà, alors vous voyez, je regarde bien les trucs, je comprends pas trop pourquoi en fait il réavance, etc. Voilà, on passe à la phase escadron. Bon, pour le moment, je vais avancer prudemment. Je vais faire une technique de la chenille en massant mes chasseurs à droite de l'ISD. Et lui, il va super bien placer ses chasseurs pour venir m'empêcher d'engager ses vaisseaux. Donc, c'est super bien joué de sa part. Il fait vraiment une barrière défensive avec ses Z95. Là, c'est très très chouette. Voilà, donc au prochain tour, je vais être premier joueur, hein, donc c'est moi qui vais commencer, et puis vous verrez que j'activerai la chasse, hein, avec des résultats un peu mitigés. Mais ça, on verra ça au troisième tour. Donc là, il a placé Charabia, il a profité qu'elle se déplaçait à 5 pour venir protéger le flanc de la MC30. Hein, du coup, ces vaisseaux sont vraiment tous protégés, bon, à part le MK2, mais c'est pas celui que je vais viser en premier. Parce que du coup, ça amènerait mes chasseurs trop loin des activateurs. Voilà, c'est la fin du tour. Voilà, donc j'active le quasar, j'active évidemment mes chasseurs, et là je fais des GK. Alors celui-là est pas trop mal, mais je fais pas des super G, je pensais finir Charabé en deux fois avec Jandon, pour éviter les contres évidemment. Donc Jandon réactive l'escadron sabre. J'oublie, mais je crois que j'oublie des rerolls. Enfin, j'ai fait pas mal d'oublis, hein. En plus de mal jouer, j'oublie des trucs. C'est pas génial. J'ai oublié, je crois que j'ai oublié des swarms, etc. Donc, bah, je fais pas assez de bon jet, pas assez d'accuracy avec l'escadron sabre. Du coup, il me faut une troisième activation pour détruire Charabé. Et en plus, là, le Defender se prend un contre assez méchant puisqu'il perd 3 points de vie.
J'envoie mes autres vaisseaux, un autre pour affaiblir un petit peu la MC-30. Et ensuite, je vais aller engager ces chasseurs avec mes intercepteurs en me disant, on va essayer d'en sortir un maximum. Bon, il a les réserves en Gardec, hein, donc bon, il revient avec 2 points de vie, mais au moins, il ne sera pas activable ce tour-ci. Ensuite, je bouge, je me rapproche, je reste à vitesse 2. Voilà, parce que c'est une frégate des rouges, des noirs, donc je suis à moyenne portée, ça ne change pas grand-chose. Il faut que je reste quand même au contact de mes chasseurs. Là, je suis assez étonné, c'est que je pensais qu'il allait jouer sa MC-30. D'ailleurs, il me semble qu'il me dit qu'il a fait une erreur à ce moment-là. À la fin du match, il va activer voilà, il va activer un GR75. Alors encore une fois, il bouge très bien à chaque fois pour pouvoir bénéficier du mouvement bonus du trou noir. Du coup, ça rend sa liste vraiment très très maniable, très rapide. Du coup, j'hésite un peu parce que j'ai pas compris pourquoi il n'a pas joué sa MC30. Je me dis, est-ce que je fais? Est-ce que j'active l'ISD pour tirer? Mais ça reste du longue portée, donc c'est pas très intéressant. Donc j'active plutôt ma Gauss anti-grise qui va activer le reste des chasseurs. Essayer de sortir encore un peu de chasseurs, mais voilà, je fais des jets un peu catastrophiques. Là, cet intercepteur fait quand même 0 dégâts avec 4 dés, c'est génial. Et puis le Defender va aller essayer de tirer sur les Marek aussi, sur la MC-30. Voilà, je fais quelques accuracy qui me permet de retourner en rouge des jetons. Quand même, quel pouvoir de Sloan. Alors du coup, ouais, j'avais pas fait gaffe et comme il est allé très vite avec sa MK2, il se retrouve à portée très longue de l'ISD et je prends un tir assez sale où il va me Intel Officer mon Brace. Et là, je pense que je fais une grosse erreur, c'est de pas l'utiliser. J'aurais dû l'utiliser quand même parce que du coup, je prends quand même assez cher. Et vous allez voir par la suite que ça va me coûter très très cher. Parce que le Brace, en fait, j'aurai jamais l'occasion de l'utiliser par la suite parce qu'il fera toujours des accuracy pour le bloquer. Là, de mémoire, je prends quand même 7 dégâts, ce qui est pas mal, même si j'ai de quoi aller avec les boucliers, mais ça part assez vite. Et là, il utilise aussi le pouvoir du trou noir pour venir me taper le Gauss anti-gris. Ça, je l'avais pas du tout vu venir. Du coup, il prend un dégât, voilà. Moi, j'ai donné avec le Gauss anti-violet, je donne un token de réparation à l'ISD. Et malheureusement, vous allez voir que je l'oublie et ça va me coûter cher aussi. Alors, on a quelques tirs, alors je sais plus ce que c'est. Ça doit être sa corvette qui me tire sur l'ISD ou le non ou la MC-30, je sais plus. Voilà, alors il a une très, très bonne liste, hein, avec tous ses tirs sont très bien fiabilisés. Donc je prends pas mal de dégâts encore sur l'ISD. Oui, c'est la MC-30. Oui, alors c'est là l'erreur. J'ai pas compris pourquoi il l'a pas joué en dernier, parce qu'il aurait pu. Il avait encore 2 activations à faire. Et du coup, il se rapproche quand même assez près de moi. J'aurais un tir à des bleus obstrués. Bon, c'est pas encore un tir incroyable, mais enfin, ça va lui faire quelques dégâts. Même si avec Foresight, il me fait relancer pas mal de dés. Le résultat est moyen, quoi. Voilà, mais il perd quand même pas mal de boucliers. Ensuite, comme j'ai fait une navigation, je vais me rapprocher, hein, pour pouvoir au prochain tour tirer sur
Ah ouais, je fais un tir sur la MK2, mais c'est juste pour dire. Vous voyez quand même que mon ISD a quasiment plus de bouclier déjà, hein, et puis il a pris quelques cartes dégâts, donc il est bien endommagé. Il va faire un peu d'escadron. Alors, cet escadron, ça tire pas mal quand même avec les deux relances, hein, avec Blunt. Donc là, il me tue un intercepteur qui revient parce que j'ai un réserve en gare avec aussi. Alors, moi, le bon côté, c'est qu'il a déjà été activé, donc je perds pas le tour. Voilà, mes comptes sont catastrophiques, je fais rien. Et il bouge toujours très bien. Il va aller se mettre juste à portée pour pouvoir bénéficier du mouvement supplémentaire. Et il va jamais chevaucher le trou noir, car en fait, c'est là où on se retrouve englué. Voilà, là, il sait sa corvette, je prends encore des dégâts. Et là, je me dis, bon, allez, au moins, il va aller taper dans ses. Dans ces vaisseaux, peut-être le bleu ou la MK2. Mais il va super bien naviguer et il va réussir encore à s'échapper grâce à un dial de navigation. Et il va se mettre super bien. Vous allez voir. Donc là, à ce moment de la partie, on me dit que je commence un peu à paniquer parce que je me dis qu'il va vite passer derrière moi avec ses mouvements super rapides. Et je me dis que c'est peut-être déjà perdu. Voilà, on fait un petit peu d'escadron. Alors il m'a tué quelque chose. Là, j'ai pas très bien vu. Ça doit être un intercepteur. Voilà, on passe au tour 3. Alors on vérifie s'il y avait une collision ou pas, mais il n'y en avait pas. Mais pas de souci. Évidemment, tour 1, évidemment, comme je suis premier joueur, je vais commencer par l'ISD, qui est du coup à la portée courte sur la MC30. Je fais un tir pas trop mal. Et là, c'est là que vous voyez, dans ma précipitation à vouloir tirer sur la MC30, j'ai oublié d'utiliser le token de réparation. Qui aurait pu me donner un bouclier en plus. Voilà, il me fait relancer. J'ai essayé d'avoir un accuracy, mais je ne l'ai pas eu. Mais finalement, ça va être juste pile poil pour le tuer. Et là, je fais une connerie, c'est que je devrais me barrer en fait. En y réfléchissant, hein, après coup, j'aurais dû me barrer. En plus, je crois que j'ai un truc de nav, donc je peux repasser à vitesse 2 et me barrer vers le haut, en tournant vers la gauche. Mais je suis un peu trop joueur et peut-être que j'oublie qu'on est en tournoi et je vais essayer au contraire de rester au contact de sa flotte en me disant au prochain tour j'aurai l'embarras du choix pour tirer, ce qui n'est pas du tout vrai d'ailleurs parce qu'il bouge tellement vite que ben, il sera plus là il sera plus là au prochain tour. Donc ça c'est une grosse connerie. C'est pas, je pense la connerie qui va me coûter cher. Alors, je sais pas si j'étais parti de l'autre côté à vitesse 2, est-ce que je serais sorti de la portée longue du MK2? Peut-être pas, mais peut-être de là, je serais peut-être sorti de la portée moyenne. Bon, on ne saura jamais. Et là, évidemment, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il active sa MK2. Et ça va faire très mal. Parce que, comme je vous l'ai dit, il a des tirs très fiabilisés. Il a Akbar, il a. Tourelle qui donne un dé en plus. Il relance tout quand il veut. Donc il fait beaucoup de dégâts. Il fait l'accuracy qu'il faut pour pas que je puisse utiliser le brace. Et je prends très cher. Je prends au final 6 ou 7 dégâts. Et ça va être pile poil ce qu'il fallait pour me tuer. Donc si j'avais fait le bouclier en plus, ben, j'aurais survécu. Alors peut-être pas survécu longtemps parce qu'il y a quand même la corvette derrière qui aurait pu tirer.
Mais voilà, donc j'ai plus d'ISD, donc là je me dis, allez, c'est bon, c'est foutu. En plus, avec son MK2, il me rentre dedans deux fois grâce au pouvoir de l'objectif. Donc du coup, il me tue mon Gozan Tigris. Donc là, je dis, oh là là, c'est mal barré. Et donc le reste de la partie, l'objectif, ça va être d'essayer de détruire sa chasse. Et de fuir avec le quasar qui est quand même assez fragile et qui est mon dernier vaisseau, hein, puisque j'ai que deux vaisseaux donc je ne vais pas être tablé. Là, je l'active, je vais essayer d'attaquer un peu. Alors, mes tirs de chasse sont assez catastrophiques, c'est-à-dire quand je joue contre les Ace, je tire jamais d'accuracy, et quand je tire contre les pas Ace, je fais que des accuracy grosso modo. Hein. Voilà, donc là il me faut encore 3 activations pour faire Bloom, donc ça fait quand même beaucoup, quand même 3 points de vie avec certains scatters et un brace, mais bon, vu la brûlée brouette de dé que je lance, normalement je dois pouvoir le finir en 2 activations maxi quoi. Voilà, alors j'engage sa chasse pour éviter qu'elle fuit. Donc elle n'a pas trop envie de fuir, hein, parce qu'elle fait des. Ils font des bons tirs. Ces escadrons coûtent quand même nettement moins cher que les miens. Voilà, je décide de passer à vitesse 3 pour bah, fuir. Voilà, j'avais un token de nav. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est de rester le plus loin possible du MK2, de la corvette aussi, parce qu'elle peut faire assez mal. Alors la corvette peut peut-être pas le tuer en un coup, mais ça fait quand même très mal. Vous voyez, il n'a pas trop peur de perdre sa chasse, il revient engager mes escadrons. Voilà, il fait pas mal de dégâts, il me tue un. Que c'est, je crois que c'est un defender. Ouais, ça doit être un defender. Celui qui avait été endommagé par Charabel, peut-être. Alors là, je voulais faire Ondonaka, mais je me rends compte que c'est au début de la phase des vaisseaux, donc je peux pas le faire. Donc je vais avancer que à 1, j'aurais voulu avancer à 2 pour est-ce pareil, essayer de fuir. Et en fait, c'est vrai qu'en termes de points, à ce moment-là, en fait, je réalise pas, mais on est à peu près à égalité, hein, parce que sa MC30 est quand même bien chargée. Alors, il est devant parce que j'avais mon amiral sur l'ISD. C'est d'ailleurs à partir du moment où j'ai perdu ce long que j'ai commencé à faire des accuracy, classique. Et en fait, je me rends pas bien compte, mais que si je lui descends sa chasse et que je perds rien d'autre, je peux passer devant. Ça, je m'en rends pas trop compte. Voilà, je fais une manœuvre assez sympa pour aller tirer encore sur un de ces chasseurs en utilisant Jandon pour tirer deux fois, mais c'est pas suffisant. Bon, Maxi. Non, j'ai vraiment fait des tirs pourris avec la chasse. C'est catastrophique. C'est un peu con qu'on a ce long quoi. Donc on est tour 4. Alors là je crois que je vais faire Ondonaka, je vais mettre une nappe sur le violet, puis une réparation sur le quasar, et je lui donne un feu nourri, ce qui est pas génial, et puis un chasseur qui m'embête pas trop parce que je sais que je vais aller essayer de finir sa chasse tout de suite. Voilà, j'active des chasseurs. Hop. Voilà, rien. Là, je fais des conneries encore. Ah oui, donc je peux pas. Du coup, je peux pas le bouger parce qu'il est toujours engagé celui-là. Donc, j'aurais peut-être pas dû commencer par lui.
Je vais aller tout de suite engager ces autres chasseurs. Voilà, là ça va un peu mieux au niveau des tirs, c'est un peu plus efficace. C'est vrai que les defenders c'est quand même très fort hein, avec les dés noirs. Je me déplace, donc le but ça va être de longer le bord. Hein. C'est pas très glorieux, mais c'est le seul moyen de protéger le quasar. Hein, parce que je pense que sur un tir de la MK2, il y a peut-être bien moyen de le descendre à un seul coup. Donc il faut que je reste très très éloigné de la MK2, qui n'est pas aussi rapide que la corvette, parce qu'elle bouge qu'à 3. Et surtout, quand il va s'éloigner du trou noir, il n'aura plus le mouvement de bonus. Là, je vais activer les chasseurs avec la violette pour essayer d'utiliser un jandon en relais. Pour essayer de les rapprocher du quasar parce que la violette, malheureusement, elle va pas aller assez vite, donc elle va décrocher un peu, même si je passe à vitesse 2. Voilà, du coup moi j'ai déjà tout joué, donc c'est lui qui va faire tout ce qui lui reste d'activation. Il y en a pas mal, il flaque. J'avais oublié que les GR75 flaquaient quand même à 2 dés noirs, hein, ce qui est quand même fort. Ouais, donc là il va essayer de se positionner pour pouvoir essayer de me tendre un piège au prochain tour, mais je le vois venir, donc ça va pas marcher. La corvette, qu'est-ce que c'est maniable, hein, elle a déjà fait un aller-retour là, sur la carte, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, alors, il est un petit peu ralenti là pour le coup par le Gravity Rift. Donc du coup là je lui ai tombé la chasse et comme il a rapproché son GR75, je me dis qu'il y a peut-être moyen de le tomber. Donc mon prochain objectif, ça va être je vais essayer de tout mettre sur le GR75. Le rouge, hein, bien sûr. Alors le bleu c'est Brighthawk, donc c'est même pas la peine. Parce que le Quasar tire quasiment rien. Et... Voilà, donc là je m'éloigne parce qu'il tire quand même assez fort. Et voilà, j'essaie de rapprocher un peu. Je sais pas ce que je fais. Oui, je tire avec mon quasar. Et le quasar, du coup, comme il n'a pas boosté de com, il n'avait qu'un seul chasseur à portée, ce qui n'était pas super génial. Là, sur ce tour-ci, je vais essayer de rapprocher après les chasseurs le plus du coup du quasar. Il fait un tir à longue portée sur le gosanti violet, mais du coup je scatter. Voilà, je vais activer les escadrons, essayer de les rapprocher du quasar et du GR75. Alors, malheureusement, je ne vais pas faire des trucs super géniaux en termes de G. Voilà, j'essaie de m'éloigner tout en restant, essayer de rester dans son arc avant, mais ça va être un peu compliqué. Du coup, voilà, je me disais, est-ce que je me rapproche pour essayer de continuer à activer, mais ça vaut peut-être pas le coup. Du coup, je me dis que je vais partir vers la gauche avec le gant anti-violet pour essayer de la sauver. Vous verrez que ça marche, même si j'ai eu chaud aux fesses. Quelques tirs de flak.
puis il essaie de se rapprocher. Donc je pense que son plan c'était d'essayer de me bloquer avec la rouge, hein, mais comme j'ai bougé en premier, il n'a pas pu le faire. Et là, il peut me plaquer parce que c'est. Ouais, on verra s'il a porté, mais je crois qu'il y arrive juste. Voilà, mais ça fait rien. Et là, du coup, ben, comme il peut pas me bloquer, il va partir de l'autre côté. Mais j'aurai quand même un tour où je pourrais essayer de le descendre. Je vais tout mettre dessus, vous allez voir. Enfin, tout ce qui me reste, il reste pas grand-chose non plus. Je ramène celui-là pour le prochain tour et celui-là aussi. Là, c'est quand même le bon côté des impériaux d'avoir des escadrons qui bougent à 5. C'est vrai que c'est quand même du luxe. Voilà, donc tour un peu de repositionnement pour moi. Putain, au niveau de la chasse. Voilà, donc là, je choisis d'activer le quasar parce que j'ai peur qu'il essaye de s'enfuir avec la rouge. Je me dis si je la descends, il y a moyen de repasser peut-être devant au niveau du score. Et vous allez voir, mes tirs vont être un peu naze, malheureusement. Alors, ceux qui étaient juste à côté peuvent s'enfuir après. Mais voilà, je fais des tirs pourris, je fais des accuracies évidemment, mais j'ai plus l'aune. Là, je fais peut-être une connerie, c'est de bouger celui-là, parce que du coup, il ne pourra pas rebouger derrière. L'idée, c'était vraiment de le descendre. Hein, et... Donc, je me dis qu'il ne pourra pas flaquer. Mais malheureusement, comme je fais des tirs de merde, là, vous allez voir, je ne vais pas réussir à la tomber. Il va lui rester un point de vie à la fin. Voilà, il prend quand même son deuxième dégât. Je fais mon tir avec mon tir du Gaudentiste, c'était un crit, malheureusement c'était pas structural damage, sinon il serait mort. Et donc j'ai pas réussi à le descendre, et lui il va me tirer avec son MK2 sur la mienne, et il va pas trop avoir de chance, parce que vous voyez avec la brouette de dés qu'il lance, il va pas, et toutes les relances il fait pas, et toutes les relances qu'il a, il fait pas d'accuracy. Donc je vais pouvoir scatter, c'est voilà, chaud aux fesses, mais c'est passé. Donc du coup on sauve nos flottilles tous les deux. On pourrait dire que ça se vaut, mais en fait ça se vaut pas parce que lui avec son rouge, il va me descendre deux chasseurs avec sa flaque. Ah bon là je bouge, ça sert pas, c'est juste pour dire que, parce qu'on est au tour 6 déjà. Et voilà, il va me tirer dessus et il va me descendre dans mes chasseurs. Il a un feu nourri. Et du coup ça fait quand même 30, à peu près 30 points en plus. Parce qu'il doit me tuer un defend, deux defenders, je crois. Et vous allez voir que ces 30 points, ça va faire quand même la différence entre un 7-4 et un 6-5. Donc c'est finalement assez mal joué. Avec sa corvette, il était trop loin. Enfin, il n'avait pas de super tir pour le quasar. Donc il a essayé de flaquer aussi, mais ça n'a pas marché sur ce coup-là. Et voilà, donc c'est la fin de la partie à ce moment-là. Je crois que. On discute un petit peu, on va regarder les points. Voilà, 158 pour moi, 228 pour lui, donc ça fait 70 points de différence. Donc il n'y en a pas, et c'est un 7-4, mais c'est pas un 7-4 énorme. Hein, s'il ne tue pas mes deux escadrons. Ça aurait pu faire un 6-4 pour lui, voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Et puis, essayez d'avoir des meilleurs jets de dés que moi, même si bon, c'était pas outrageusement non plus déséquilibré au niveau des dés. Et mon adversaire a très très bien joué. Moi, j'ai fait plein de conneries. Voilà, c'est l'apprentissage. Merci, à plus.